Bon matin, j'espère que vous avez passé une belle nuit et que la journée va être magnifique. Avec les énergies de cette journée, nous allons un petit peu voir ce qui va se passer avec le jeu de Founet. Donc, le Normand intuitif de mon ami Founet de la chaîne des cartes de la Lune. Je vous remettrai ses coordonnées ici en dessous parce que, comme ça, si vous avez envie d'avoir posséder un jeu comme ça ou d'aller voir sa chaîne, abonnez-vous à sa chaîne, c'est très intéressant aussi. Enfin, moi j'aime bien parce qu'elle utilise le Lenormand, donc voilà. Et on a fort la même. On a beaucoup de mêmes interprétations. Donc je vais utiliser son jeu et pour l'amour, le mien. Voilà. Alors, les énergies de cette journée. Je vous remercie encore de m'accueillir chez vous. Pour le petit déjeuner, pour passer un petit moment avec vous, le petit moment du début de journée. Et on va un petit peu voir ce que ça donne. Si vous entendez un petit bruit, son. C'est Sushi qui ronfle. Vous le voyez pas? Non, vous ne saurez pas le voir. Il est tout dans le coin. Entre des coussins. Et on attend le petit frère. Enfin, ce sera son fils, je pense. C'est son fils ou le fils de l'autre chihuahua, puisque la chienne a eu deux amants pendant les vacances. Donc, qui a fécondé Stella? Nous verrons. Ben, nous verrons quand ils seront un peu plus grands. Voilà. Allez, il n'y a pas de carte qui tombe. J'aime bien quand une carte qui tombe, quand c'est comme ça. Allez, on va faire la coupe, sinon. Ah, non, là, il y en a trop. Je vous dis, si vous voulez, les cartes qui sont tombées, mais je ne les interpréterai pas. Et c'est l'ours, c'est le cercueil et c'est le chien. Tous les cas, moi, Founet. Ah, il y en a une qui vient de voler. Bon, on va prendre celle-là. Moi, j'aime beaucoup les couleurs. Évidemment, j'aime beaucoup le vert et en plus, j'aime beaucoup le vert kaki aussi. Et aussi, non, je dis aussi parce que mon mari aime beaucoup le vert kaki. Et c'est un peu normal, lui, puisqu'il est à l'armée, peut-être aussi. Donc, j'aime beaucoup ces couleurs, contrairement à peut-être une ou deux personnes qui ne les aiment pas. Mais on peut aller les voir bleues. Moi, je les vois vertes. C'est vrai que comme ça, elles passent plus bleues. Donc, allez, bon, la carte qui va te sauter. L'éléphant. Oui, c'est un éléphant, mais c'est le cavalier. Le cavalier. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, ça va être une journée alors avec des nouvelles. Donc, des nouvelles qui arrivent, des nouvelles qui sont en train d'arriver. Donc, il est possible qu'aujourd'hui, vous ayez une réponse. La réponse que vous attendez, une réponse que vous attendez, ou une réponse que vous n'attendez peut-être plus, qui va quand même arriver. Ça peut être aussi, pour moi, ça c'est mon interprétation à moi, je ne sais pas pourquoi, ça peut être aussi quelqu'un du passé qui pourrait revenir, une personne du passé qui revient. Ça peut être aussi une personne, donc vous allez peut-être recevoir des nouvelles par courrier, par mail, par réseau social, par téléphone. Normalement, ce serait plutôt par courrier ou par écrit. Normalement, mais bon. Mais bon, on peut quand même inclure maintenant le téléphone, etc., tout ce qui est maintenant communication. Ça peut parler aussi une personne. Une personne du passé qui pourrait revenir, des nouvelles de quelqu'un, des nouvelles de quelqu'un, peut-être que vous n'attendiez plus, ou que vous attendez, voilà, que vous attendez peut-être, et vous allez recevoir en fait ces nouvelles. Euh,
En tous les cas, ici, cette journée, ça va être une journée. Alors, ça peut être aussi des nouvelles par rapport au travail, quelque chose que vous attendez. Je ne parle pas de signature, etc. Mais peut-être aussi, on va vous demander, on va vous annoncer quelque chose. Donc, par écrit. Ce sera plutôt par écrit. Parce que si c'était par parole, ce serait les oiseaux. Il y aurait les oiseaux. Maintenant, il n'y a qu'une carte en même temps. Donc. Vraiment, c'est ce qu'il me vient maintenant à l'esprit. C'est vraiment pour cette journée, ce sont vraiment les nouvelles des nouvelles qui arrivent que vous attendez impatiemment, peut-être depuis un certain temps, par rapport à une personne, par rapport à une situation. Une situation. Et j'ai vraiment le sentiment que ça va être positif. J'ai vraiment le sentiment que ça va être positif. Il faut juste que je mette mes lunettes parce que je vois pas un truc. Ah oui, le 9. Parce que je retiens jamais les cartes de cartomancie en fait. Bon, moi personnellement, la carte. Pour moi, la carte du cavalier, je la prends aussi comme le fils aîné. Donc, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles de votre fils aîné. Que vous, voilà, il y a peut-être des nouvelles qui vont arriver de la part, si vous n'avez qu'un enfant et que c'est une fille. Comme c'est général, on pourrait dire peut-être des nouvelles d'un enfant. Comme c'est général, hein, que ce n'est pas votre tirage à vous. Donc, on pourrait peut-être dire, oui, vous allez aussi recevoir... Aujourd'hui, recevoir des nouvelles d'un enfant que vous attendez peut-être. Peut-être, c'est une carte qui me dit aussi, qui me laisse penser que aujourd'hui va être une journée où vous allez peut-être être sur la piste de quelque chose. On va vous mettre sur la piste où vous allez avoir... Je vais vraiment prendre un cas qui n'existe probablement pas entre vous et moi ici. Mais c'est comme si vous recherchiez un enfant ou un parent que vous n'avez plus vu ou qui s'est éloigné, qui vous avez perdu de vue et qu'on ne sait pas où il est. Eh bien, c'est comme si aujourd'hui vous alliez avoir une trace. C'est comme si vous alliez recevoir une trace de cette personne. Maintenant, à mettre ça à votre situation, adapter ce que je viens de dire à votre situation. Donc peut-être que ce n'est pas par rapport à une personne, hein, c'est peut-être par rapport... Vous avez peut-être perdu un petit chat, et vous allez le retrouver. Vous allez savoir, tiens, mon chien, mon chat se trouve dans cette maison-là, ou... Moi, j'ai vraiment ressenti comme ça aujourd'hui. J'ai ressenti que vous allez avoir des nouvelles de quelque chose ou de quelqu'un où vous allez... Il y a quelque chose qui va arriver vers vous qui va vous permettre d'avancer pour comprendre quelque chose, pour comprendre une situation. Pour comprendre une situation ou pour pouvoir dénouer un certain mystère. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'est vraiment un ressenti ici. Hein. C'est pas vraiment ce que la carte veut dire. Hein. C'est mon ressenti aujourd'hui. Vraiment, j'ai, pour certaines personnes, j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir c'est comme si on allait avancer dans une recherche en fait, grâce à des nouvelles qu'on va recevoir ou une information qui va arriver à vous. Par les médias. Puisqu'ici, je dis, c'est quelqu'un qui vient vers vous pour vous donner une nouvelle. Oui, mais ça peut être aussi, vous allez peut-être découvrir dans les médias quelque chose qui va vous mettre sur la piste de ce que vous attendez ou de ce que vous cherchez. Ou... Voilà, mais c'est peut-être pas par rapport à une personne ou par rapport à un animal, ça peut être aussi par rapport à autre chose que vous recherchez, vous.
un objet que vous avez perdu, qu'on vous a volé, plein de choses. J'ai vraiment cette sensation-là. Je ne sais pas m'expliquer, hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette sensation. C'est vraiment un ressenti. Oh. Je ne sais pas. Maintenant, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Donc, je vais dire que ça, c'est vraiment pour certains d'entre vous. J'ai quand même l'impression que ça va parler quand même à pas mal. Mais c'est pour certains d'entre vous vraiment qui cherchez quelque chose. Il va y avoir quelque chose qui va vous mettre sur la piste. Donc, peut-être ouvrez l'œil quand même. Ouvrez l'œil. Soyez sur vos guets aujourd'hui pour vraiment ne pas passer à côté de l'information qui pourrait être vraiment, vraiment très, très importante. Ceci dit... si vraiment ça ne vous parle pas du tout ce que je raconte là, eh bien tout simplement vous allez recevoir une nouvelle ou une nouvelle de quelqu'un. Ça peut être aussi des nouvelles d'une personne que vous avez... Non. Non. Pour moi ça sera des nouvelles plutôt d'un enfant si vous n'avez pas d'enfant ou pas encore, ou ça va être des nouvelles plutôt d'un parent alors. D'un parent. Voilà. C'est ce que cette carte me dit. Elle me parle très fort. Hein, elle me parle très fort, cette carte. Elle me parle très fort. Je n'ai pas encore consacré le jeu. Je l'ai juste purifié. Et j'ai l'impression qu'il va bien me parler, ce jeu. Voilà. Donc... Moi, ce que je pense pour les énergies de cette journée, ce sont des énergies générales qui peuvent ne pas parler à tout le monde, bien évidemment. Bon, pour l'amour. En principe, je vais recevoir mon jeu, donc je pensais commencer. J'ai même pas eu le temps de commencer mes enveloppes, les adresses. Mais, bon, je retranscris sur un grand cahier que je n'ai pas ici, il est en bas. Sur un grand cahier, toutes les adresses et les demandes et vos demandes pour les dédicaces, si vous voulez que je signe une telle carte ou une autre, voilà, et pour vos demandes bien spécifiques. Donc, voilà. Je vais normalement recevoir bientôt les cartes. Mon éditrice a trouvé une solution. Enfin, un petit souci par rapport à l'imprimerie, mais bon, ça va bien se passer. Donc, voilà, on n'a rien sans peine, il faut toujours qu'il y ait un truc qui couaque, et le couaque est déquaqué. Donc, merci Alexandra, et puis, merci à ton conjoint, hein, qui, voilà, qui nous a un peu éclairé aussi, hein. Il faut parfois un homme pour l'homme de la situation. Bon, allez. Il n'y a pas de carte qui tombe non plus, décidément. Je pense toujours à une personne qui m'avait marqué un commentaire il y a déjà un petit temps maintenant. Je ne sais même plus qui c'est. Je ne sais même pas si je l'avais laissé, ce commentaire. Mais peut-être bien, oui, je ne sais plus. Ou je l'avais répondu, mais bon. Elle m'avait dit, c'est normal que tes cartes tombent tout le temps, c'est parce que t'as des ongles de 10 cm. Elle me fait rire, parce que franchement, là, je voudrais vraiment qu'il en tombe une. Mais les cartes, elles sautent quand elles veulent sauter, hein. Si elles veulent pas sauter, elles sautent pas. Hein. Et parfois, il y a des trucs qui explosent, on se demande pourquoi. Allez, carte tombe. Carte de l'amour pour aujourd'hui, les énergies pour aujourd'hui. Bon, on coupe. Encore, la communication. La communication, les amis. Eh bien, les amours ici, les amours, vous allez avoir des nouvelles, vous allez communiquer, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un d'une manière ou d'une autre, hein. Ici, il y a toutes les manières de communiquer possibles. En tout cas, je pense. Je n'ai pas mis le tam-tam. Je n'ai pas mis la fumée avec le tapis. J'ai oublié. Hein, c'est ça, je crois, sincèrement, je l'aurais fait. Il y a un moyen de communication aussi. Il y en a d'autres. Hein, mais le pigeon. Il faudrait peut-être plus dessiner un pigeon. Mais bon, il y a les oiseaux, c'est pareil. Donc, voilà.
Bon, communication, donc aujourd'hui, alors communication avec une personne, vous allez avoir une conversation, des discussions, vous allez avoir une explication, donner une explication, recevoir l'explication attendue, avoir des nouvelles de cette personne qui vous vous demandez peut-être pourquoi vous n'avez pas plus de nouvelles de cette personne, donner de vos nouvelles à une personne qui attend peut-être, désespérément. Dialogue entre mari et femme, dialogue entre compagnons. En tous les cas, rencontre aussi, rencontre grâce à le réseau social, à un réseau social, peut-être à une rencontre par rapport à une. Allez. Pourquoi je suis comme ça? Ah oui, d'accord. Rencontre avec. Ah oui, grâce à une. Allez. Un site de rencontre, pourquoi pas? En tous les cas, pour moi, ça parle de rencontres aujourd'hui. Ça va parler de rencontres, ça va parler d'avoir des nouvelles, ça va parler de. Je vous ai dit, discussion, conversation. Mise au point, non, pas spécialement. Pas spécialement mise au point, quoique je n'ai qu'une carte, donc pourquoi pas. Mais. Peut-être mise au point, peut-être. En même temps, si on prend la carte de cette carte-ci, peut-être que ça va parler, ça peut interagir. Donc, les cartes peuvent très bien se parler aujourd'hui, donc et avoir une influence. Donc, l'influence des énergies de la journée et l'influence de la carte de l'amour pour cette journée. Donc des énergies amoureuses, des énergies. Ouais, je sais plus parler. Je ne sais pas pourquoi, depuis un certain temps, il y a les mots qui ne sortent plus de ma gorge parce qu'ils ne viennent plus à mon cerveau. Et je sais ce que je veux dire, mais je n'arrive plus à les trouver dans ma tête. Mais je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, donc je sais ce que je veux dire, mais je trouve plus le mot dans ma tête. Ça, c'est compliqué, bizarre. Voilà, donc en fait. En fait, il est très possible que que vous allez recevoir des nouvelles, déjà avec 6-6 de messager, et qui vont être en rapport avec l'amour, mais ce ne sera pas la même nouvelle. Quoique, c'est assez particulier aujourd'hui, hein. Ça me parle, mais vraiment très fort en fait. On dirait que c'est une journée pour vous qui regardez si vous êtes là. C'est vraiment une journée qui me dit, ça me perturbe parce que ça va au plus profond de moi. Vraiment une journée qui me dit, aujourd'hui, ça va être la révélation. La révélation où. Continue tes recherches. Continue tes recherches. Tu vas trouver. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Mais continue, persévère, tu vas trouver. On va t'apporter. La solution, tu vas la voir aujourd'hui. Il faut que tu l'attrapes, il faut que tu la vois, il ne faut pas que tu passes à côté. Je sais pas pourquoi je vous dis ça.
ça a vraiment un message. Peut-être que c'est par rapport à une personne. C'est peut-être très important pour une personne. Donc, je suis désolée de vous dire ça, mais c'est tirage général, mais voilà. Peut-être que c'est un message que je dois faire passer à quelqu'un qui attend des nouvelles de quelque chose ou de quelqu'un. C'est très, très important. C'est vraiment peut-être même vital. Voilà. Bon, je vais faire passer ce message. Donc, voilà, il est passé, je crois. Du coup, je reviens à ma carte. Je vais essayer de revenir plus à ma carte en me disant que pour les énergies de l'amour d'aujourd'hui, eh bien voilà, vous allez alors peut-être rencontrer l'amour suite à la communication avec par rapport à un ordinateur, un mail, peu importe. Donc vous allez peut-être rencontrer l'amour grâce à ça, donc quelque chose qui va commencer, rencontrer une personne qui va peut-être être un entremetteur entre guillemets, hein. Donc vous allez peut-être rencontrer une personne grâce à une personne avec qui vous allez communiquer aujourd'hui. Peut-être qu'on va vous inviter, vous allez recevoir peut-être une invitation. Aujourd'hui, vous allez peut-être avoir une invitation, une proposition. Peut-être vous n'allez pas avoir envie d'y aller ou pas avoir. Et peut-être que c'est là que vous allez rencontrer la personne. Donc réfléchissez peut-être. Ça a parlé de. Donc, comme je dis avant, je ne sais plus pourquoi j'ai une parenthèse comme ça, j'ai dû dire un truc à mon avis à quelqu'un, je ne sais pas. Mais bon, ici, j'ai envie de dire que l'amour, donc les échanges, des échanges avec votre mari, des échanges avec votre. Ah, je me demandais ce que c'était. Des échanges avec votre compagne, compagnon, futur compagnon, des mises au point, des mises en, j'allais dire des mises en garde. Bon, j'allais le dire, je le dis. Bon. Ça me parle aussi de communiquer par rapport à une situation future. Donc on va peut-être aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi les mots ne me sortent pas de la bouche aujourd'hui. Organiser, voilà. Vous avez peut-être organisé quelque chose par rapport à une situation amoureuse. Voilà. Écoutez, j'ai vraiment dit tous les cas de figure. J'ai fait passer le message à quelqu'un. Je ne sais pas à qui. Donc, voilà. Mais en tous les cas, voilà. C'est positif, hein. C'est positif, hein. C'est positif pour moi parce que ce sont des nouvelles qui arrivent que vous attendez ou que vous n'attendiez plus, mais que vous allez avoir. Donc vous allez être content d'avoir ces nouvelles avec cette carte-ci. Ce sera des nouvelles que vous. Peut-être qu'elles ne seront pas spécialement bonnes, mais de toute façon, ce n'est pas ça qui est important. L'important par rapport à cette carte, hein, ce sera que vous ayez des nouvelles, que vous receviez des nouvelles ou que vous ayez quelque chose qui vous mette sur la voie. D'accord? Donc ça, c'est important pour vous, pour pouvoir justement avancer dans n'importe quel domaine. Hein? D'accord? Et alors avec celle-ci, ben, voilà, c'est tout simplement la communication entre vous et votre compagne, compagnon, ou alors une rencontre grâce à une communication. Voilà, ça, c'est vraiment un résumé. Donc, mes amis, ben, je vous laisse sur ce. Je vais vous souhaiter une très belle journée et puis une bonne semaine qui va commencer. Normalement, bon, ça va commencer, donc c'est bon, hein, puisqu'on commence on va commencer la semaine avec justement des choses qui vont nous permettre d'avancer dans nos recherches ou d'avancer dans nos projets aussi. Voilà, à bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très fort. Bisous, bisous, bisous.